Bonjour Georges. Bonjour Georges Bonjour. Brandstetter, j'espère que vous allez bien. Merci, très bien. Oui, voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre livre « Combattants juifs dans les armées de libération 1939-1948 ». C'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire et je dirais qui m'a réellement rassuré sur notre destin pendant la guerre 40-45, parce qu'il balaye, si vous voulez, tout notre imaginaire, comme quoi nous nous sommes laissés emporter par la dérive, laissés emporter par la bête nazie sans réagir. Et effectivement, votre livre dément tout cela. Alors, voilà, pouvez-vous d'abord me dire un petit peu qui êtes-vous, comment dirais-je, où êtes-vous né, où habitez-vous, qui êtes-vous, Georges? Alors, voilà, donc je me présente, donc voilà, donc je suis né donc, en Belgique en novembre 39 et en 42, donc mon père décide qu'il fallait fuir la Belgique vu les événements qui se passent. Il n'est pas rassuré. Et il dit à ma famille, on va partir en France chez la sœur de ma mère qui habitait Pau, qui est dans les Basses-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France. Et ma grand-mère, à ce moment-là, qui dit non, et mon grand-père, qui habitait donc dans la même ville à Anvers, décide de ne pas partir parce que mon grand-père était, lui, d'origine austro-hongroise. Il faisait confiance aux déclarations du gouvernement qui disait, nous n'avons rien à craindre. Alors, il a décidé de rester. Donc, nous sommes partis au mois de mai 42, et en cours de route, nous sommes arrêtés, car nous n'avons pas des passeports en ordre. Nous sommes arrêtés par la police française, et nous sommes internés au camp de Gurs. Là, nous restons 5 mois. Et par chance inouïe, un décret qui sort et qui dit comme ça, que les mamans qui ont un enfant de moins de 3 ans peuvent quitter le camp de Gurs, mais doivent se débrouiller. Moi, j'avais à ce moment-là exactement 2 ans et 9 mois, ce qui était pour moi une chance inouïe, et c'est ainsi que j'ai pu échapper donc à la déportation par après, car la plupart des internés donc, étaient donc déportés au camp d'Auschwitz. Et c'est ainsi que je me suis rattaché dans un village qui s'appelle Andouins, dans les Basses-Pyrénées. Oui. Entre-temps, en ce qui concerne mon grand-père et ma grand-mère, mon grand-père, donc, au mois de juin, il va faire des courses pour acheter quelque chose pour ma grand-mère, lui demande, j'ai besoin de ci et de ça. Il va au magasin, puis il ne revient pas. Il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, il ne revient pas. Elle ne savait pas à ce moment-là qu'il y avait des rafles et que les Juifs qui étaient en rue avec l'étoile jaune étaient raflés par les Allemands. Et c'est ainsi donc que commence la déportation de mon grand-père. Ma grand-mère, par chance, donc, n'a pas été déportée. Donc, je suis au camp de Gurs pendant toute la guerre. Je suis donc au village d'Andouins, caché chez une famille chrétienne qui était très très sympa avec moi, très gentille. Le dimanche, je suis enfant de cœur dans l'église du village. Et c'est ainsi que j'ai appris d'ailleurs à prier en latin pour la région catholique. Et mon père, lui, entre-temps, rejoint donc la résistance. Et de temps en temps, il venait me voir dans le village. Et jusqu'au jour, ça je m'en souviens aussi, ça devait être quelques mois avant la libération. Mon père vient me rendre visite, il dormait avec moi. Et un matin très tôt, donc la dame qui nous cachait, que j'appelais Tante Élise, elle rentre en hurlant, partez vite, la Gestapo est là. Mon père me prend sous ses épaules et nous fuyons vers les collines. Enfin, après, il m'a dit que c'était donc dans les collines du côté des Pyrénées. Et là-bas, il y avait un groupe de résistants, effectivement. Après, je ne m'en souviens plus. Ce que je sais, qu'après la libération, on a su qui nous a dénoncé, mais c'était le maire du village qui savait qu'elle cachait un enfant juif. Et donc, il a été évidemment démis de ses fonctions. Voilà. Alors après, nous sommes rapatriés en Belgique, et c'est là que mon père et ma mère apprennent dans la déportation de leur famille. Ils n'étaient au courant de rien. On était donc tout à fait isolés là-bas. Et en arrivant, donc, mon père apprend la déportation de ses sœurs, de mes cousins. Et voilà, donc, c'est à ce moment-là on se rend compte du drame, de la tragédie qu'a vécu le peuple juif. Oui. Et donc, à l'époque, vous habitiez déjà à Anvers. Oui, parce que nous sommes partis, effectivement, d'Anvers pour rejoindre la France.
Nous avons été rapatriés par les forces de libération qui avaient organisé donc des départs vers chacun qui pouvait retourner vers le pays d'origine. Et ainsi, nous avons été dirigés vers la Belgique. Oui. Et donc, et là, vous avez continué votre enfance, votre adolescence à Anvers. Vous Tout à habitez, fait, vous oui. avez habité à Anvers, et puis vous êtes parti en Israël. Nous sommes partis en Israël pour quelques années, et puis mon père donc ne s'y plaisait pas. Nous sommes revenus en Belgique. Nous sommes revenus en Belgique. Nous sommes partis de la Belgique vers Israël en 49, mais sommes revenus en 55 en Belgique. D'accord. Alors, je dois dire que le thème de votre livre est vraiment, comment dirais-je, très intéressant. Et alors, je me demandais, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un livre sur les combattants juifs pendant la guerre? Eh bien, en réalité, j'ai écrit d'abord sur les résistants, puis après sur les combattants. Eh bien, je vais vous dire, c'était très simple. Moi, je ne savais pas que mon père était dans la résistance. Ce problème-là, beaucoup, beaucoup de personnes le rencontrent, ce manque de transmission. Les parents n'ont pratiquement rien raconté. Moi non plus. Je suis aussi dans cette catégorie-là où on n'a rien raconté. Résultat, donc, j'étais vraiment ignorant. Et c'est un jour, par hasard, j'ai appris que mon père faisait partie de la résistance. Mais évidemment, c'était un grand mot, ça ne voulait rien dire. Et c'est alors que j'ai entrepris des recherches. Et en entreprenant des recherches, je me suis dirigé évidemment vers la France. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré pour finir dans des résistants qui allaient soit des hommes me dire où était mon père, mais enfin, c'était une erreur. Bref, c'est ainsi que je suis rentré en contact. Mais pas seulement avec des résistants, avec des combattants aussi, parce que je demandais à chacun, peux-tu me renseigner, tu seras un ami à toi, on me donnait donc des adresses. Je contactais, de fil en aiguille, au fond, de bouche à oreille, je contactais donc des anciens résistants, mais aussi des anciens combattants. Puis il y avait de tout. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que je me suis dit comme ça, c'est très intéressant ça. Je vais faire quelque chose, je vais venir les enregistrer, mais avec une simple cassette audio. Et je suis retourné chez eux à Paris. C'est avec Paris que j'ai commencé au fait. Et j'ai rencontré donc des anciens résistants qui m'ont raconté et puis qui m'ont donné les adresses des autres. Et je reviens avec ça en Anvers. Donc tous les week-ends, je partais donc pour faire ces enregistrements-là. Et un jour, je rentre en contact avec le professeur Jacques Fijalkov de l'Université de Toulouse. Et on s'écrivait à ce moment-là et par courrier. Ce n'était pas encore l'ordinateur, c'était un peu avant l'ordinateur. Et il m'écrivait, il me dit, mais pourquoi si vous rassemblez tellement des témoignages, essayez d'écrire de ça, de transférer ça sur un livre. Et c'est ainsi que petit à petit, donc, cette idée même s'est développée tout doucement. Ce n'était pas un but précis au départ. Le but précis au départ était, par pur intérêt moi-même, d'enregistrer ce que racontaient les résistants, les anciens combattants. C'était pour moi, je voulais simplement les réécouter à la maison. Et puis, 6 mois par après, j'ai pu acquérir une caméra. Et à ce moment, je me dis, non, d'une pub, autant filmer ces gens avec leur témoignage, c'est encore plus vivant. Et je suis retourné, j'ai fait marche arrière, je suis retourné, chez tout ce que j'ai été. Et j'ai filmé en vidéo à ce moment-là tous leurs témoignages. Aujourd'hui, quand je regarde ces vidéos, ils sont là devant moi. Mais effectivement, vous avez donc une bibliothèque impressionnante de témoignages. Et donc, vous avez donc, comme vous dites, interviewé des résistants français, des combattants français. Mais il me semble que votre livre va au-delà. Vous avez été aussi en contact avec des résistants et des combattants d'autres pays. Oui, tout à fait. Donc, le hasard des circonstances ont fait que j'ai commencé par Paris, parce que le premier que j'ai connu, c'était les habitants de Paris. Et puis, en revenant en Belgique, je me suis informé. Et alors, évidemment, j'ai contacté les anciens résistants juifs et les anciens combattants que j'ai trouvé et que je n'aurais jamais imaginé que c'était des résistants ou des combattants. Et ainsi, petit à petit, donc, j'ai évidemment recueilli aussi des témoignages en Belgique, en Anvers, comme à Bruxelles. Et par après, j'ai fait connaissance en Israël des anciens combattants et résistants de l'Union soviétique à l'époque et des combattants d'Afrique du Nord. Et j'ai rencontré de tout en Israël. Il y a vraiment un rassemblement là-bas de résistants de tout pays et des combattants de tout pays. Ce qui est une grande richesse, c'était pour moi à ce moment-là, je suis tombé en plein dans une richesse et j'en ai profité pour enregistrer le plus possible.
C'est vrai qu'en Israël, c'est facile, on est tous rassemblés de tous les pays et effectivement, il y a moyen d'avoir des informations de tous les côtés. Et j'ai même rencontré à ce moment-là des anciens de la brigade juive qui n'habitaient pas tellement loin de chez moi. C'est incroyable. J'étais là-bas et c'était vraiment environ 6 mois avant la fermeture définitive donc, de ce centre d'anciens combattants. Oui, C'est incroyable. rappelez-nous ce qu'était la brigade juive. Alors, la brigade juive, c'était donc des habitants qu'on appelait à l'époque la Palestine, oui. Et donc, en 1941, donc, l'agence juive, on l'appelait le Lievre le Sornout, se dit ce qui se passe en Europe, nous devons participer aussi à combattre l'ennemi commun. Et là, c'est un avis donc, de mobilisation, de volontaires. Évidemment, c'était des volontaires. Et là, de nombreux volontaires arrivent et s'inscrivent pour former d'abord un régiment, ils appelaient ça le régiment hébreu, Yigdoud Ivri, ils appelaient ça. Ils demandent l'autorisation des Anglais, mais les Anglais refusent. Les Anglais refusent de les accepter. Parce qu'ils disent, d'abord, ce sont nos ennemis, puisqu'ils ne sont pas dans des groupes clandestins pour le départ des Britanniques de la Palestine. Et en plus, ils disent comme ça, si on les accepte, ces gens-là vont avoir des officiers, des soldats qui vont s'entraîner pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ils vont revenir, ils vont se retourner contre nous. Au contraire, c'est contre notre intérêt. Et ça a duré comme ça jusqu'en 1941, jusqu'en 1944. Donc, 3 ans, 3 ans, ils ont refusé systématiquement l'entrée. Il y avait 5 000 déjà volontaires. En attendant, les groupes clandestins qu'il y avait donc en Israël, il y avait donc tout ça. Il y avait le Palmach, il y avait la Haganah, il y avait le Etzel, donc l'Irgun, et il y avait le Lehi. Ces quatre partis politiques, donc les combattants contre la présence britannique en Palestine, qui combattaient, sauf un, donc les trois partis, pardon, les trois mouvements de résistance, on peut appeler ça la résistance aussi, se sont organisés, ont décidé d'arrêter le combat contre les Anglais et de se joindre avec les Anglais pour combattre les nazis, combattre l'Allemagne. Sauf le parti Lehi qui lui a dit non, nous sommes les ennemis ici en Palestine, c'est les Anglais. Donc ils n'ont pas participé au combat de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces trois partis-là ont laissé tomber les armes, ont dit nous, on vient avec. Les Anglais ont accepté, bien entendu. Seulement, il fallait attendre jusqu'en 1944. Pourquoi? En 1944, les Anglais ont beaucoup de revers dans le nord de l'Italie. Il manque de troupes, parce qu'il y avait une partie aussi qui combattait en Afrique du Nord, en Libye. Donc, il manquait des soldats, et ils se sont dit, voilà, ici, nous avons ici 5 000 soldats prêts à venir combattre. Et là, ils les ont acceptés, c'était vraiment, je vous dis, par intérêt, et enfin, ils ont été acceptés. On leur a donné le nom de la brigade juive, de Jewish Brigade, et ils avaient un drapeau spécial, qui était au fond le drapeau israélien, mais à la verticale. Mais l'étoile n'était pas bleue, mais était jaune. Ce qui n'est pas sans rappeler, évidemment, la fameuse étoile jaune. Effectivement, effectivement. Et donc, la brigade juive, les combattants dans les autres armées régulières, comment dirais-je, les résistants un petit peu partout, tant à l'est qu'à l'ouest que chez nous en Belgique. Alors, j'imagine que vous pouvez partager l'un ou l'autre témoignage ou l'une ou l'autre information sur les résistants et les combattants que vous avez rencontrés. Oui. Voilà, quelle personne, peut-être quelqu'un de la brigade juive? Alors ici, oui, il y a ici la brigade. À gauche, tout à fait ici, à gauche. Là. Donc c'est pas la brigade nuit, c'est un volontaire qui a participé comme soldat dans l'armée rouge en Union soviétique. Et qui donc a fait toute la guerre et est arrivé avec son régiment jusqu'à Berlin. Ils ont ainsi donc pu définitivement abattre l'armée allemande. Et puis, en 1945, donc, à la libération, il décide de s'installer en France. Et il arrive en France, c'est David Musicant. Et 3 ans après, il entend ce qui se passe à l'époque en Palestine. Et alors, tout le monde apprend avec stupeur qu'Israël, qui vient d'être créé, donc, est attaqué par 7 pays arabes. Et là, le pays est vraiment en danger. Et il s'engage comme volontaire. Alors, on appelait ça volontaires-là, c'était une petite armée, il y avait comme 4 000 volontaires qui sont venus d'Europe hein, pour aider donc Israël. Ces 4 000 volontaires-là, on appelait le Mahal, qui veut dire Mitnadvim Khoslas, qui veut dire volontaires de l'étranger, qui eux sont à ce moment-là acceptés dans différents régiments et combattent pour la libération, pour la défense de la création de l'État d'Israël.
C'est Monsieur Musicand, c'est lui que nous Ça, voyons à droite. à droite, c'est David Musicand, là, oui. D'accord. Et alors, David Musicand, que vous avez Et voilà. interviewé, donc, qui est ici Exactement. Aussi. Oui, D'accord. voilà. Alors, je vois Monsieur Armand Frohman. Alors, ici, Armand Frohman est à gauche et à droite, c'est son frère Henri. Alors, eux, ils rentrent dans ce qu'on appelle à ce moment la Brigade Piron. Alors, il s'est créé à Londres, là aussi, pour les Belges, les nationalités belges qui voulaient combattre, sont partis comme volontaires et sont rentrés dans cette brigade, la Brigade Piron, qui est organisée par le général Piron. Et ainsi, donc, on peut donc s'entraîner en Angleterre et après, ensemble, partir et participer au débarquement pour aider la libération de la Belgique. D'accord. D'accord. Et donc, eux, ils ont fait le débarquement aussi, alors. Ah oui, tous participent au débarquement. Voilà, monsieur. Et voilà, donc, ça c'est Armand Frohman, lorsque je l'ai rencontré. Et donc, ce sont tous ceux que nous voyons ici. Ce sont tous, pour moi, des héros et des exemples pour la jeunesse, pour les générations suivantes, pour montrer qu'il soit belge ou n'importe quelle nationalité, mais un juif qui était dans un pays qui habitait, qui était né ou qui était intégré dans ce pays, qui est venu comme immigrant, eh bien, se sentait patriote et combattait pour ce pays-là. Donc, il ne savait pas encore ce qui se passait à Auschwitz. Vous savez, l'armée, tous ceux qui étaient soldats qui sont venus débarquer, ne savaient pas du tout encore ce qui se passait à Auschwitz. Ça a été découvert seulement lorsqu'ils sont arrivés à Auschwitz. Ils sont arrivés à Auschwitz en même temps que les Russes. Et là, ils ont découvert ce qui s'est passé. Tout à fait. Ils ont découvert le choix. Mais ils ne savaient pas, donc ils ont combattu eux d'abord en tant que patriotes dans le pays où ils vivaient. L'uniforme belge ou anglais ou français, peu importe, et ils combattaient pour le pays. Et alors ici, nous avons quelques personnages qui ont combattu aussi en Belgique. Oui. Alors, moi je suis en merveille devant, émerveillé devant, c'est Jacqueline Zielinski. Alors c'est une dame, une grande dame, qui elle donc, s'est engagée en Belgique dans l'armée, dans la Croix-Rouge belge. Et cette Croix-Rouge, c'était des camions, des ambulances qui traversaient dans les frontières. Et elle s'est retrouvée, elle a été nommée adjudant-chef, elle s'est retrouvée en pleine contre-offensive en Neustadt. C'est-à-dire qu'elle a risqué énorme. Et là, ils ont été pour soigner les blessés. Et après cette offensive, donc après la victoire des Alliés, elles se sont dirigées vers la France pour aider au retour des Juifs de France vers la Belgique. Tout à fait. Et alors, c'est toute une famille de résistants. Alors, c'est la famille. Ça, c'est Léon Zielinski, c'est son fils que j'ai connu, que j'ai interviewé. Et lui, alors lui aussi, c'est toute une famille qui s'engage. Le fils, donc, s'engage lui également. Il part à Londres comme volontaire. Il s'engage dans la brigade Piron. Il s'engage dans un régiment combatif. Et ils reviennent, ils débarquent, ils participent au débarquement également, donc, pour aider à la libération de la Belgique. D'accord. Et alors, il y avait aussi le... Alors, ça, c'est Raphaël Zielinski. Alors, c'est son oncle, ça. Raphaël Zielinski, lui, il quitte aussi la Belgique comme volontaire vers Londres. Et lui, il s'engage dans la Royal Air Force, dans l'aviation anglaise. Et aussi, ce sont tous des héros, toute une famille héroïque. Je trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je dois dire que, personnellement, dans mes connaissances, j'ai des gens qui ont été dans la résistance belge aussi, donc des familles juives qui ont été dans la résistance belge. J'ai aussi des connaissances qui se sont fait attraper, soi-disant, pour des... Les nazis, en fait, organisaient des fausses réunions de résistance. Et comme ça, ils arrivaient à attraper facilement des juifs qui voulaient s'engager. Et oui. Enfin voilà, c'est une longue histoire. Alors, oui, pouvez-vous nous parler de Ignace Werberger? Alors, Ignace Werberger, lui, il a fait partie de la brigade juive. Lui, il habitait à ce moment-là la Palestine et il s'est engagé également. Alors, pourquoi je parle de lui? Lui, donc, après la libération, il fait connaissance d'une gentille jeune femme et il épouse. Et ils ont une fille. Et cette fille, moi, j'ai fait sa connaissance tout récemment. Elle m'a raconté cette aventure extraordinaire. Elle a épousé donc sa maman qui s'appelait Hélène Weingarten. Cette Hélène Weingarten, avec encore une jeune fille, était cachée à Liège chez un cinéaste qui s'appelait donc
Paul Nagan, avec son épouse Suzanne. Ils ont caché chez eux comme ça deux jeunes filles, donc une, la maman, donc, de ce qui est devenu son épouse. Et ils ont caché donc ces deux jeunes filles. Une, j'ai essayé de rechercher, je n'ai plus jamais retrouvé. Je n'arrivais pas, je n'ai pas retrouvé donc, cette jeune fille qui était cachée chez eux. Malheureusement, ils ne connaissaient pas son nom. J'ai fait des recherches, mais malheureusement, je n'ai pas abouti. Et donc, ils ont été cachés donc, chez Paul Nagan, donc cette jeune fille, mais il a caché aussi lui. On peut voir sa photo, puis voilà, la photo de Paul Nagan. Monsieur, oui, le couple Nagan. Voilà. Paul et Suzanne Nagan. Mais ils ont caché donc ces deux jeunes filles jusqu'à la libération. Mais en plus, ils ont caché chez eux cinq parachutistes américains qui étaient recherchés. Puisqu'ils avaient participé un peu avant le débarquement, ils ont parachuté. Malheureusement, donc, ils ont dû donc, s'enfuir. Et ils les ont cachés jusqu'à la libération également. C'est un couple tout à fait extraordinaire. Alors moi, j'étais avec la fille, avec Redva Bentavi, qui est la fille donc, de ce Weisberger et de sa maman. Donc, on a été donc invités chez le fils de Jean-Claude Nagan, avec son épouse, qui nous ont reçus. Et Suzanne Nagan était là encore. Elle était là et elle se rappelait de tout. Et évidemment, il y avait des larmes dans les yeux. C'est évident, ça. C'est excessivement émouvant, cette retrouvaille qu'elle a eue avec donc sa fille, en disant, elle a caché sa maman. Oui. Alors, Georges, oui. Voyez-vous, donc toutes ces histoires sont vraiment très, très, très impressionnantes. Et quand on y pense, je suis sûr que les auditeurs aimeraient savoir. Bon, là, nous avons parlé de quelques exemples qui parlent de la brigade juive, de la brigade Piron, de la résistance en Belgique. Effectivement, ça nous concerne plus directement. Mais en termes de nombre, qu'est-ce que ça veut dire combattants juifs dans les armées de libération et dans la résistance? Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle de la planète? Combien de jeunes gens, combien de personnalités juives ont combattu contre les Allemands? Alors, et selon les archives, parce que les archives, vous savez, à fur et à mesure, ce n'est pas terminé, on en découvre toujours. Mais en tout cas, selon les dernières informations des archives, il y a plus d'un million et demi de Juifs qui ont participé en tant que soldats dans les différentes armées. Bien sûr, il s'agit de l'Union soviétique, où il y avait plus d'un demi-million de Juifs. Aux États-Unis, il y avait 600 000 Juifs qui ont participé. En France, il y avait 60 000 Juifs israélites, vous appelez ça là-bas. En Pologne, il y avait 100 000 Juifs dans l'armée polonaise, ce qui est assez, quand on y pense, avec l'antisémitisme qui régnait là-bas. C'est quand même incroyable. Donc, il y avait 5 000 Juifs dans la brigade juive. En Angleterre, il y avait entre 35 et 40 000 Juifs anglais qui ont participé aussi au débarquement. On oublie ça aussi, puisqu'au fond, la concentration des armées s'est faite en Angleterre. C'est là que sont partis tous les régiments américains et tout. Pour le débarquement en France. Tout à fait. Et donc, vous me dites 1,5 million dans les armées, mais il y avait aussi dans la résistance. Alors, la résistance, c'est comme ça. La résistance, moi, je n'ai pas de chiffres précis, mais on sait qu'il y avait partout un très grand pourcentage de Juifs, en particulier dans la résistance française. Il y avait énormément de Juifs. D'abord, il y avait un réseau de résistants juifs qui s'appelait OJC, Organisation juive de combat, qui était, elle, composée donc, de différents mouvements jeunesse juive. Par exemple, il y avait dans la Chômère, il y avait des éclaireurs israéliens. Les éclaireurs israéliens de France. Oui, et il y avait aussi donc, du Beta. Il y avait tous les mouvements jeunesse qui étaient représentés là-bas, des volontaires. Il y avait même un groupe de volontaires juifs venant de Hollande, qui sont partis d'Hollande, à travers la Belgique, bien sûr, pour arriver en France. Pour participer aussi donc au combat. Et c'est aussi un miracle de leur histoire, comment ils ont pu traverser en pleine occupation donc la Belgique et la France. Voilà. Et il y a eu beaucoup de passeurs juifs qui ont aidé à passer donc les Juifs de la France vers l'Espagne. C'est des Juifs qui sont partis en Espagne. Soit ils ont été recueillis là-bas par des agents de la Sornout, donc l'agent juif, pour aller qui voulait aller absolument en Palestine. Et ceux qui ont dit non, nous voulons aller à Londres pour nous engager donc dans l'armée des Alliés. Alors effectivement, les mouvements de jeunesse juifs ont,
comme vous le soulignez, ont énormément compté dans le, comment dirais-je, dans la résistance juive. Bon, on le voit bien effectivement avec la révolte du ghetto de Varsovie et avec les révoltes qui ont eu aussi à Auschwitz, parce que on ne doit pas dire que les déportés se sont laissés gazer sans rien dire et sans rien faire. En réalité, il me semble que ceux qui se sont laissés assassiner, ce sont des gens qui sont tombés dans le piège. Oui. Et ceux qui ne sont pas tombés dans le piège ont combattu. Entre autres, ben, effectivement, pour le ghetto de Varsovie, ben, c'est facile, il y a toujours l'image de Mordechai Anilevitch, de la Chomer HaTzair, et en Belgique, pour Auschwitz, il y a l'image de Malazi Medbaum, qui était à la Nora Tzioni à Anvers, justement, qui a fomenté donc une révolte dans le ghetto de Varsovie. Mais s'il faut mourir, autant mourir les armes à la main, effectivement. Je vous dis, concernant Auschwitz, il y a eu là-bas une révolte, ça, on n'en parle pas, mais il faudrait en revenir. C'est-à-dire, c'est pas le seul camp où il n'y avait pas de révolte. Il y avait une révolte organisée. Et il y avait donc dans ce qu'on appelait donc les Einsatzkommando. Donc, les Allemands désignaient ceux qui vont dans le four crématoire pour brûler les corps. Mais ils étaient surveillés, c'était tous les Juifs qui travaillaient là. Ils étaient surveillés par deux SS. Et un jour, donc, c'est un groupe, ils travaillaient en général, ils ne travaillaient que 3 mois. Au bout de 3 mois, les Allemands les prenaient et les tuaient aussi. Ils prenaient une autre équipe. Alors, pendant ces 3 mois-là, cette équipe a décidé de prendre contact avec la résistance polonaise. Ils ont réussi à prendre contact avec la résistance polonaise, pas la communiste, mais la nationaliste. Ils avaient convenu la date et l'heure de venir et de faire une révolte au camp d'Auschwitz, une révolte armée. Alors, le jour venu, cette équipe-là, donc, saisit les deux SS, les tuent, et prennent leurs armes. Ils attendent l'heure où les résistants partisans polonais devaient arriver. Ils ne sont jamais arrivés. Ils étaient dans une situation dramatique parce qu'ils ont tué donc les SS qui les surveillaient. Ils ont pris leurs armes. Ils ont décidé à ce moment-là de jouer le tout pour le tout. Ils sont sortis, ils ont commencé à tirer sur les nazis qui voyaient les officiers et soldats allemands qui étaient dans le camp. C'était une révolte incroyable. Les Allemands ont saisi, évidemment, comme ils étaient. Ils disent, c'est incroyable ce qui se passe. Ils ont évidemment fait appel aux troupes allemandes qui sont venues. 2 camions remplis de soldats allemands sont venus et évidemment, ils ont tué les 30 membres donc, de cette équipe, de ce commando, en fait. Mais ils ont été trahis, en fait, par la résistance polonaise, c'est pour le dire. Alors, justement, vous parlez de la Pologne, de la résistance polonaise. Alors, bon, bien qu'il y ait quand même beaucoup de juste parmi les nations en Pologne, vous avez soulevé effectivement l'antisémitisme en Pologne. Comment s'est passée l'intégration des Juifs dans l'armée polonaise et dans la résistance polonaise? Quels étaient leurs rapports? Alors, dans l'armée polonaise, il régnait l'antisémitisme. C'était en Pologne, c'était une chose tout à fait normale, courante, oui, et les Juifs, effectivement, supportaient cet antisémitisme parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Et dans la résistance polonaise, c'était moins courant, parce que c'était plus intime, parce que c'était des groupes plus petits et plus fermés, c'était moins courant. Mais il est vrai aussi qu'il y avait 2 catégories de partisans. Il y avait les partisans polonais nationalistes, il y avait les partisans polonais communistes. Et le vrai antisémitisme se trouvait, bien sûr, chez les nationalistes. Chez les communistes, c'était beaucoup, beaucoup moins évident. D'accord. Donc, j'imagine que dans le livre, il y a encore beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus d'informations. Alors, vous m'avez confié qu'hélas, le livre est épuisé déjà. Oui, il reste quelques exemplaires. Et pour cette raison-là, donc, je vais refaire un deuxième. J'ai déjà donc pratiquement terminé. Ce sera le même livre, même couverture. Mais il y aura environ plus de 10 témoignages en plus. Donc, le nouveau sera encore plus fourni. Ceux qui ont déjà acheté le premier doivent acheter le deuxième. Éventuellement, oui. Oui. Je trouve que c'est un devoir que ce livre reste encore actuel, qui se trouve dans la librairie,
parce qu'il est, au fond, c'est une génération qui est en train de disparaître, malheureusement. Et il faut absolument que leur mémoire, que leur témoignage reste dans la mémoire et qu'on puisse savoir ce que ces soldats, tous ces juifs ont combattu pour se libérer de cet oppresseur nazi. Effectivement, mais comme vous l'avez dit, les témoins au sortir de la guerre ont très 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 peu parlé par honte, par gêne. Mais personnellement, mon père a fait un petit peu de résistance aussi vers la fin de la guerre et je dirais, je n'ai jamais eu que l'une ou l'autre petite anecdote amusante et jamais je n'ai jamais eu droit aux choses terribles que les combattants, que les résistants cachaient, effectivement. Je pense que vous l'expliquez aussi dans le livre, que les gens étaient plutôt avares de témoignages. Oui, il est vrai aussi que, c'est-à-dire à la libération, à ce moment-là, il y a le retour des survivants de la Shoah, des camps de concentration, et puis en même temps arrivent de l'autre côté les anciens résistants, ceux qui étaient résistants, ceux qui étaient soldats, tout ça se retrouve tout doucement. Et surtout les soldats ne savaient pas ce qui s'est passé. C'est en arrivant, en contactant les familles, qu'on apprend avec une énorme, énorme horreur ce qui s'est passé, que 6 millions de Juifs ont péri. Et devant cette énormité, alors, les résistants ne voulaient plus parler, et les soldats non plus, anciens soldats non plus, puisqu'ils disaient devant, qu'est-ce que nous on va raconter devant cette énorme tragédie qui s'est passée? Comment pouvons-nous parler? Il faut les écouter à eux. Et donc c'était, au fait, on voulait surtout écouter les rescapés de la Shoah, qui non plus ne parlaient pas au début. C'était que grâce au procès Eichmann, en 71, je crois, que donc les choses ont commencé à être publiées et qu'il y a des témoins qui ont commencé à parler. Les gens pensaient très tard. Et puis au début, on ne voulait pas les croire. C'était tellement irréaliste, surréaliste, je dirais, incroyable ce qui s'est passé là-bas, qu'un être humain normalement ne peut pas croire à ça. Tellement que c'était incroyable ce qui s'est passé là-bas. Effectivement. Et donc, j'espère que votre nouveau livre, enfin la suite de votre livre est presque terminée. Vous allez pouvoir l'éditer. Et alors, je me posais une question. Vous n'avez pas pensé à le traduire en anglais? Oui, mais je voudrais bien le traduire en anglais, mais on demande beaucoup d'argent pour cette traduction. C'est pas bon marché. C'est très très cher. Effectivement, effectivement. Mais écoutez, si jamais l'une ou l'autre personne nous entend sur le web et qu'il est prêt à traduire le livre de Georges Brandstätter pour les besoins de la cause, mais contactez-nous, nous vous mettrons en contact avec Georges. En tout cas, Georges, voulez-vous nous dire encore quelque chose sur votre livre ou sur son contenu? Alors oui, donc je tiens beaucoup à ce qu'on sache donc ces Juifs-là étaient Juifs, bien sûr, mais ils ont combattu surtout, comme je l'ai déjà dit, pour la défense de leur pays. C'est de véritables authentiques patriotes. C'est un exemple pour tous que ces Juifs-là n'étaient pas du tout racistes et ils se combattaient avec tout le monde, sans faire la moindre discrimination. Au contraire, ils étaient souvent discriminés, comme je dis dans l'armée polonaise, très discriminés, sauf dans l'armée rouge, là-bas, où chaque soldat juif qui se plaignait d'avoir subi des remarques antisémites, eh bien, ce soldat qui lui faisait ça était puni. L'armée rouge punissait ceux qui avaient des comportements antisémites. Ça aussi, donc ça montre aussi deux pays et deux comportements différents. Mais moi, je ne veux pas rentrer en politique ici, ce n'est pas du tout le débat. Mon but était de réunir, que ce soit également pour les résistants que j'ai recueillis, sans rentrer dans des problèmes, des discussions philosophiques ou politiques, c'était ce qui m'intéressait, surtout leur parcours, leur combat. D'accord. En tout cas, Georges, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu nous parler du livre donc sur Zoom et vous allez la voir sur YouTube donc en enregistrement complet pour nous éclairer sur ce livre et sur cette période vraiment trouble qui pour nous est un deuil énorme. Et qui pour nous est un combat pour la mémoire au quotidien. Et je dois dire que votre livre en plus de nous réchauffer le cœur, nous accompagne dans ce devoir de mémoire que nous avons.
Georges, un grand merci. Je vous dis à bientôt sur les ondes. Merci beaucoup. Et mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Voilà. À la prochaine fois. Pour votre prochain livre, on vous invite aussi. D'accord, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.